Et bonjour à tous et bienvenue, on est lundi, il est 5h30 si je me trompe pas quand la vidéo sortira. Je tourne cette vidéo juste après avoir fini de tourner la vidéo de vendredi, donc pour moi elle est en train d'être mise en ligne. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, je suis le premier youtubeur Kurtzpell. Je vais vous montrer un petit truc là, donc on est sur ma chaîne YouTube là, normal hein. Actuellement je suis à 128 abonnés. J'aurais bien aimé dire 128 000, mais non, 128, oh, c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu du nombre. Donc, voici les vidéos que j'ai. Alors, vous voyez, il y en a certaines que j'ai mis en non répertorié, c'est les updates. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis les updates en non répertorié? Tout simplement parce que YouTube n'aime pas les vidéos updates, parce qu'elles génèrent pas assez de clics, elles génèrent pas assez de vues, ou bah, ça me fait shadowban. Et la dernière fois, j'étais shadowban à partir de... Je crois que c'était à partir de cette vidéo-là que j'ai été shadowban. C'est pour ça qu'il n'y a pas de partie 2 sur cette vidéo, tout simplement parce que j'ai été shadowban. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai disparu du référencement, j'avais plus de recommandations. Avant, j'avais, genre par exemple, 33% de mes vues qui venaient des suggestions. Donc quand vous lancez une vidéo sur le côté droit, vous avez des suggestions. J'avais 33% de vues qui venaient de ça. Et après ces vidéos, j'avais moins de 2%, ou je sais plus si c'était 4 ou 2% qui étaient des suggestions. Il y a même un moment où je tombais à 0%, et quand on cherchait mon nom ou autre chose dans YouTube, on me trouvait pas, on trouvait aucune de mes vidéos. Ou alors la seule vidéo qu'on trouvait, c'était celle-là. Genre vraiment, il y avait que celle-là. Donc j'étais un petit peu déçu, j'ai essayé de faire celle-là pour attirer du monde, pour essayer de sortir du shadowban. Ça a un petit peu marché, mais je me suis pris des pouces rouges. Du coup, YouTube, il a vu que la durée de visionnage a continué de baisser. Puisque, évidemment, le truc, c'est que cette vidéo, ça attirait du monde. Mais les gens, ils pensaient genre, vraiment que le personnage était vraiment nu. Mais genre, nu avec tous les détails, quoi. Et il y a des gens, ils sont déçus parce qu'ils pensaient à faire à du hentai, en fait, tout simplement. Alors qu'en fait, non, j'écris en gros un Kurtzpell. Hein, ceux qui connaissent Kurtzpell et qui voient que mon personnage est à poil, ils savent de quoi je parle. Mais les gens qui connaissaient pas le jeu et qui ont cliqué dessus ont été déçus. Et du coup, ils ont pas regardé la vidéo, ils ont mis un pouce rouge et ils sont barrés. Du coup, ça a fait chuter mes stats. Et du coup, après, j'ai fait ces vidéos-là ici. Même celle-là, ça a bidé, vous voyez. Ça a complètement bidé. Bon, celle-là, c'était une vidéo annonce, mais les vidéos qui sont après, elles ont bien bidé à fond. Celle-là, elle a récupéré un peu plus avant que je la mette en non répertorié. C'est pour ça qu'elle a pas plus de vues. Et c'est avec cette vidéo de Helltaker que c'est a augmenté. J'ai pas trop d'explications de pourquoi. Helltaker, je crois que quand elle est sortie, les 3 premiers jours, elle était à peine à 20 vues. Et là, d'un seul coup, piouf, elle est montée en flèche. J'en ai aucune idée de pourquoi. Les stats, elles se sont affolées. Il y avait des alarmes de partout. Et la vidéo, elle a commencé à avoir énormément de vues. Elle a eu des commentaires, des likes. Mais j'ai rien compris, moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Pendant 2-3 jours, il y avait absolument rien. Puis d'un seul coup, pouf, elle est montée toute seule. J'ai rien fait, j'ai pas changé de miniature, j'ai pas rajouté de... Si, le seul truc que j'ai rajouté, c'était FR dans le titre. Et c'est à ce moment-là où j'ai rajouté FR dans le titre que ça a... Pouink. La visibilité de la vidéo, elle a augmenté. YouTube, il a fait yeah. Et surtout un truc, regardez, c'est que les autres vidéos, là, ici, elles dépassaient pas les 10 minutes. Et YouTube, ils aiment bien les vidéos qui font plus de 10 minutes. Et celle-là, elle dépasse largement les 10 minutes. Et en plus, il y a des gens, ils la cherchaient, ils l'ont trouvée. Du coup, YouTube est en mode, oh, allez, on t'enlève le shadowban. Du coup, après, j'ai sorti cette autre vidéo qui a bien marché aussi. Je suis content, même si j'ai pas rentabilisé mon nombre de vues par rapport à mes abonnés. Ça, c'est très compliqué pour moi. Donc, voilà, je suis très content de cette vidéo qui a bien marché. Je me suis fait interrompre, du coup, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave, hein. je vais faire un petit peu de montage sur celle-là parce que là, je vais exciter. Bref, pareil pour celle-là, vous voyez les nombres de vues, ils sont faussés, c'est pas les vrais nombres de vues. Pour voir les vrais nombres de vues, il faudrait que j'aille dans le YouTube studio qui est là, mais j'ai la flemme. Donc voilà, vous voyez celle-là, elle est en privé actuellement parce qu'elle est pas encore prête, parce qu'elle va sortir à 18h, donc je la tourne. Il est pas 18h, on est dans le milieu d'après-midi, donc j'ai pas fait de montage dessus parce que je me suis dit bon allez je fais 11 minutes, ça va, j'ai bien parlé dessus. Bref, comparons donc, je voulais vous parler de je suis le premier youtubeur sur Kurtzpell, vous me croyez pas? C'est simple, regardez, je vais dans un onglet privé, piouf, voilà,
Oui, du coup, c'est très blanc, hein, j'aime pas du tout. Donc là, on est dans un onglet privé, donc on a des suggestions de vidéos absolument dégueulasses, hein. Bon, sauf peut-être Fabien Olicard, hein, je sais qu'il faisait des bonnes vidéos, tout ça, bref. On va pas rentrer dans le sujet de ce que je regarde et ce que je regarde pas. Il y a même Arte, vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc, on va taper tout simplement CurtSpellFR, voilà. Et qu'est-ce qu'on a sur CurtSpellFR dans les recherches? Eh ben, regardez bien. Ici, on a Class AV Gameplay Test Français. Donc ici, on a une vidéo de test qui date d'il y a un an. Ici, on a ma vidéo, qui est mon vieux tuto, qui est... Je dis vieux, mais il a que 3 mois, mais en même temps, pour moi, ça fait longtemps. Donc, une vieille vidéo qui est tout en haut, avec 2,3 000 vues. C'est absolument énorme, je comprends pas. Parce que je juste parle de stuff, c'est tout. Je pense que peut-être qu'un jour, je la referai. On a encore une vidéo de découverte. Encore une vidéo de découverte, une autre de mes vidéos, encore une vidéo de découverte, ah, un truc astuce, d'il y a un an. Une autre vidéo découverte, 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 vous voyez, il n'y a que des vidéos découvertes, à part les miennes, c'est tout ce qu'il y a. Et regardez, je vais mettre le filtre, pas par pertinence, mais par date de mise en ligne. Regardez bien, ici on a un mec qui spamme plein de vidéos comme ça. Et c'est pas du commentary, c'est juste du tout simple. Et vous voyez les vues, aucune vue, 5 vues, excusez-moi, je vais me moucher, attention. Ah, voilà, je vais mettre un petit montage, c'est très drôle dessus. Et là, vous voyez, il y a ma vidéo, oui. Parce qu'avant, on les voyait pas, mais j'avais plus de référencement. Et là, maintenant, j'en ai un nouveau. Et là, ah, live découverte, bon, bah encore une découverte, encore une découverte. Le mec qui spam, moi, une vidéo de moi, une vidéo de moi, le mec qui spam, une vidéo découverte, le mec qui spam, une vidéo random, ma vidéo, le mec qui spam, ma vidéo, un mec qui spam, encore une découverte, et vous voyez, vous comprenez ou pas pourquoi je dis que je suis le premier youtubeur CurtSpell, parce que le seul que j'ai comme concurrent, c'est Reinzen, ça, lui. Et vous voyez, niveau vue, c'est pas ouf, hein. Et c'est-à-dire que, alors on va aller sur la chaîne, on va voir un petit peu. Voilà, 12 abonnés, voilà à quoi est composée la chaîne. Donc je suis le seul concurrent que j'ai, c'est cette personne qui est à 12 abonnés. Alors je peux pas vous dire si les vidéos, elles sont nulles ou pas. Moi, j'en ai regardé une ou deux, je sais plus. Globalement, c'est juste du combat, c'est sympa à regarder, mais sans plus, hein. Peut-être que je mettrai la vidéo, enfin la chaîne en description, hein. On dira pourquoi pas, hein. Ça peut donner des petits trucs à regarder, comme pour World of Tanks, où vous pouvez regarder des replays de d'autres joueurs pour apprendre, hein. Là ça peut être sympa. Donc voilà, mon concurrent direct, c'est cette personne qui a 12 abonnés, hein. Juste pour rappel, j'en ai 128, donc... Voilà, je suis un peu seul. Et si on regarde dans CurtSpell France et qu'on fait trier par chaîne, regardez bien ce qui se passe. On a cette chaîne qui s'appelle CurtSpell en premier. On a Smoke and Play qui n'est pas un youtubeur CurtSpell, hein, je peux vous le montrer. Vous voyez, globalement, en réalité, il y a une vidéo découverte CurtSpell et puis c'est tout. Hein. Donc c'est pas un youtubeur CurtSpell. Après, il y a moi, il y a Corza ici. N'est pas un youtubeur CurtSpell, qui n'a aucune vidéo de CurtSpell visiblement, à moins que dans vidéo peut-être qu'il y a, on va regarder, ah si, là, mon retour CurtSpell, ouais, il y a une vidéo de CurtSpell ici, bon bah voilà, hein, c'est pas, on peut pas vraiment appeler ça un youtubeur CurtSpell, donc globalement, je vais pas m'amuser à faire tous les autres, parce que vous voyez, il y en a énormément, et puis il y en a, ils ont juste rien, mais j'ai cru, voilà, le seul, voilà, vous voyez, le seul concurrent que j'ai, ben il est à 12 abonnés. Donc, je suis le plus grand youtubeur francophone de CurtSpell. Même si je suis un peu seul, c'est pas grave. On va juste retenir que je suis le plus gros, d'accord? Ce sera plus simple. Bon, bref, bon, bah, ben, un grand merci à vous, parce que vous m'avez permis d'être le plus grand. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur... Soulsworker que je n'ai pas encore commencé à tourner et que si je commence pas à tourner, je vais être en retard. Donc je vous dis merci beaucoup. Pensez à vos abonnés, parce que abonnez-vous ou rentrez chez vous. Allez.